Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit et cela ne vous engage à rien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la blissime du mois de février. Alors pour moi le mois de février rime avec l'amour. Forcément le 14 février on fête l'amour, la Saint-Valentin. Donc j'espère que la blissime a fait un petit thème là-dessus, voilà, ça serait sympa. Donc on va découvrir ça de suite ensemble. Mais avant de débuter la présentation de la box, je voulais juste vous parler d'un produit de beauté que j'ai découvert récemment et qui provient du site YesStyle. Alors pour celles qui me suivent depuis un long moment, vous savez à quel point moi ce site là c'est mon site chouchou niveau produits de beauté. On fait de magnifiques découvertes, enfin ils ont de sacrées pépites sur le site YesStyle. D'ailleurs celui-ci en fait partie. Donc c'est de la marque I Do Care, je sais pas si ça se prononce ainsi, Cake My Day. Donc c'est un masque pour le visage. Alors bien entendu je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce produit là si jamais cela vous intéresse, comme ça c'est plus facile pour vous pour le retrouver. Et donc une fois ouvert ça se présente ainsi. Alors moi ça me fait penser à un pot de glace, je sais pas ce que vous en pensez. Le couvercle est comme cela, enfin franchement trop mignon. Alors il y a toujours les fameuses spatules, vous savez, pour appliquer le masque. Alors ça je trouve ça hyper pratique parce que ça vous évite à mettre les doigts à l'intérieur du pot. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc une fois ouvert, donc comme je vous l'ai dit, il est comme cela. Mais ce que j'aime avec ce produit là, c'est qu'il a une odeur particulière. Moi ça me fait penser vraiment à la glace du McDonald's, le McFlurry M&M's. Même quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir, vous avez l'impression en fait que vous avez un McFlurry devant vous. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Donc voilà une fois ouvert comment que ça se présente. Enfin ouais, moi ça me fait vraiment penser à leur glace du McDonald's, vous voyez, les petits grains d'M&M's à l'intérieur. De plus ça sent hyper bon, c'est vraiment une odeur de glace qui se dégage. C'est vraiment dommage que vous puissiez pas sentir à travers votre écran. Oh mais l'odeur est trop agréable, on a limite envie de manger le masque, franchement. Enfin moi j'adore quoi, en plus les petits grains comme ça sur la peau, enfin waouh, c'est une magnifique découverte, croyez-moi. Donc si vous recherchez un masque original, voilà, ben, je vous invite à tester celui-ci. Comme dit, je vous mets le lien en barre d'infos, mais personnellement, pour ma part, ça me fait vraiment penser au McFlurry du McDonald's. En plus, quand vous le rincez, vous avez vraiment la peau toute douce. Enfin, moi, je l'adore. C'est vraiment une très, très belle découverte. Revenons au sujet principal qui est donc la blissime du mois de février. Et donc, ce mois-ci, elle se présente dans une mignonne petite boîte qui est comme cela, qui respecte le thème de l'amour justement avec le petit câlin par ici. Alors apparemment ça a été dessiné par Agathe Sorlé mais également sa soeur jumelle Lorraine si j'ai bien compris. Enfin franchement moi je trouve qu'elle est trop mignonne la boîte. Maintenant nous allons découvrir les produits qui sont à l'intérieur. Comme toujours nous avons le fameux livret où il nous explique tous les produits qui sont à l'intérieur. Alors ce mois-ci ils l'ont appelé premier regard. Le premier produit ne va pas être une découverte pour ma part, je le connais déjà, je l'ai déjà testé plus d'une fois. C'est de la marque Algology qui est vraiment une très bonne marque. C'est le gel fraîcheur des yeux regard des vagues. Alors on a reçu le 15 ml qui est donc le format vente. Son prix est de 21,25€. Pour l'utilisation, il suffit de l'appliquer sur le contour des yeux en tapotant, donc soit le matin et le soir, soit un des deux. Et il va permettre en fait de décongestionner, rafraîchir et hydrater le contour des yeux. C'est vraiment très pratique pour toutes celles qui ont des cernes ou des poches sous les yeux comme moi. Franchement, c'est un très bon produit. Après voilà, la seule déception c'est que voilà, c'est pas une découverte pour moi. Par contre, le prochain produit, ça va être une découverte pour moi. Je ne connais pas du tout. C'est de la marque Glim, je sais pas comment que ça se prononce. C'est un baume démaquillant qui est vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est fait à base d'huile de coco et de beurre de karité. Alors nous avons reçu le 30 ml. Normalement le format vente c'est un 100 ml et son prix est de 19,47€. Donc je suis plutôt contente de recevoir ce produit là. Pour l'utilisation, il suffit de le masser sur une peau sèche, puis d'humidifier nos doigts et masser à nouveau. Le baume se transforme en lait, rincé à l'eau tiède et admiré. Donc franchement, très contente de recevoir ce produit-là. J'ai hâte de voir comment il démaquille, s'il démaquille bien
ou non. Autrement, comme je vous l'ai dit, il est vegan et apparemment il obtient une très très bonne note sur l'application Yuka de 86 sur 100. Le prochain produit, c'est un produit que j'applique assez souvent, ce sont les fameux patchs à mettre, vous savez, sous les yeux. Donc c'est de la marque Grace et Stella. Alors là, je suis plutôt contente de recevoir ce produit-là, j'en utilise assez souvent. Alors le format vente, il y a 12 paires à l'intérieur et son prix est de 12,75 €. Pour l'utilisation, comme je vous l'ai dit, hein, c'est à appliquer sous les yeux. Vous laissez poser durant 20 minutes à peu près. Ensuite, vous le retirez et puis vous massez en fait, vous savez, l'excédent de produit. Donc ouais, ça, je suis plutôt contente. Voilà, j'en utilise très très souvent. Alors apparemment, il a une formule riche en minéraux et nutriments pour revitaliser la zone et donner du glow. Donc bon, à voir, mais bon, moi je sais que ce genre de produit, j'aime beaucoup. Le prochain produit, on s'y attendait toutes, donc c'est de la marque Fenty Beauty, donc Rihanna en l'occurrence. C'est le crayon sourcil et pinceau. Alors ça, ça tombe vraiment très très bien parce que moi j'en applique très très souvent des crayons sur mes sourcils parce que tout simplement j'ai un trou en plein milieu. Voilà, j'ai mes poils qui ne repoussent plus, donc ça fait hyper moche. En plus voilà, c'est en plein milieu, donc je n'ai pas d'autre choix que d'appliquer un crayon dessus. Alors j'ai pris la teinte medium brown, on pouvait choisir d'autres teintes, moi j'ai pris voilà le brun foncé tout simplement. Alors on a reçu le format vente, par contre ce produit là n'est pas disponible sur le site Blissim, donc bon, si vous voulez l'acheter, il faudra y aller sur un autre site. Donc il se présente comme cela, donc comme un crayon, et une fois ouvert il est comme cela, donc ça a une petite mine. Voilà, c'est vraiment très très fin, enfin, moi j'aime beaucoup. Et il y a également un côté avec un pinceau que je vais vous ouvrir également si j'y arrive. Et donc voilà, c'est en fait comme une brosse, donc ça vous pouvez tout simplement redessiner vos sourcils, les remettre un peu en place quand ils sont un peu rebelles, vous savez. Donc voilà, franchement moi je trouve ça génial, j'aime beaucoup ce produit là. Et le dernier produit du mois de février, et encore si on peut dire produit, c'est plus un accessoire, et je suis trop contente de recevoir ceci parce que j'en ai pas chez moi et j'ai déjà hésité longuement à m'en acheter un. Et ben voilà, chose faite, j'en aurai un désormais, c'est les fameux recourcils. Donc c'est se présente comme cela, enfin voilà, c'est un recourcil, rien de plus basique. J'aime beaucoup la couleur, c'est une couleur mine, une couleur menthe vert eau. Enfin franchement génial, très contente de recevoir cette petite accessoire parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai pas chez moi, donc ça tombe hyper bien. Autrement, son prix est de 10,97 €. Maintenant voilà, plus qu'à utiliser ce produit là comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais utilisé, je ne sais même pas si je vais y arriver, bien que je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Donc ouais, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça donne, si je vais voir du changement au niveau de mes cils. Et pour finir, ils nous ont juste rajouté, vous savez, un petit échantillon de parfum, donc c'est de la marque Giorgio Armani, donc c'est le My Way, donc comme cela. Je vais le sentir hein, parce que j'aime bien sentir, voir s'il sent bon ou non. Oh ouais, ah ben il sent hyper bon ce parfum, donc ouais, c'est un petit plus qui est plutôt pas mal. Et donc voilà concernant cette présentation de la Blissim du mois de février. Donc comme vous avez pu le voir, ça tourne vraiment sur le thème du regard, des yeux, donc plutôt pas mal. Après voilà, c'est vrai que ça rapporte rien au niveau du thème de l'amour du mois de février, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même pas déçue pour ce mois là c'est vraiment de très très bons produits. Juste le produit de la marque Algologie, ça va pas être une découverte pour moi, mais je sais que c'est vraiment un produit génial malgré tout. Après, en réfléchissant de plus près, voilà, le regard, bien souvent quand on tombe amoureux, la première chose c'est un échange de regards, voilà, coup de foudre ou autre, bien que peut-être on n'a pas de coup de foudre, mais tout se passe par le regard malgré tout. Donc bon, c'est vrai que le thème est quand même un petit peu respecté. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette Blissim du mois de février, dites-moi tout ceci en commentaire. Pour celles qui ont l'intention de s'abonner à la Blissim, sachez que je peux vous parrainer, il vous suffit d'entrer mon petit code que je vous affiche par ici, il est également en barre d'infos, et cela vous offrira directement 100 points dans votre cagnotte hein, comme on dit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à passer par mon petit code de parrainage. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine.